Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 72 heures. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sissi qui a affirmé le souci de l'Égypte et du Japon de renforcer la coopération bilatérale tous azimuts, tout en louant les relations fortes reliant les deux pays et la coopération engagée dans le domaine du développement. Monsieur le président a tenu ses propos lors d'une interview accordée au rédacteur en chef du quotidien japonais Asahi Shimbun. Donc, plus d'explications dans le prochain reportage. Le président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé le souci de l'Égypte et du Japon de renforcer la coopération bilatérale tous azimuts, tout en louant les relations fortes reliant les deux pays et la coopération engagée dans le domaine du développement. Monsieur Sissi a tenu ses propos lors d'une interview accordée au rédacteur en chef de Asahi Shimbun, qui est un des grands quotidiens nationaux japonais, et cela en marge de la visite du Premier ministre japonais en Égypte, Fumio Kishida, du 29 avril au 1er mai. Le porte-parole de la présidence de la République, Ahmad Fahmy, a déclaré que l'interview s'est axée sur un nombre de sujets, dont les relations égypto-japonaises étroites, la coopération entre les deux pays en faveur du règlement des questions et des crises internationales, que ce soit la crise russo-ukrainienne ou les autres crises régionales. Le chef de l'État a souligné la coordination en cours entre l'Égypte et le Japon dans le cadre de la présidence à Tokyo du G7 pour parvenir à des solutions aux graves crises internationales actuelles, avec en tête la crise russo-ukrainienne et les crises de la nourriture, l'énergie et du financement. Le président a également affirmé la position de l'Égypte à l'égard des crises que connaît la région, notant que la politique étrangère de l'Égypte reposait sur le refus de toute ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect du principe de la souveraineté, le règlement des conflits par les voies pacifiques. Le président Sissi a passé en revue l'attitude de l'Égypte vis-à-vis des développements survenus au Soudan et révélé les efforts que l'Égypte déploie pour parvenir à un cessez-le-feu, favoriser le climat au dialogue pacifique et poursuivre la période de transition pour épargner au peuple soudanais, frère, les risques humanitaires découlant du conflit. Quant au Premier ministre d'Orto, Mustapha Madbouly, il a déclaré que l'État poursuivait toujours ses efforts pour mettre en œuvre de nombreuses mesures qui créaient un climat attractif pour les investissements locaux et étrangers dans divers secteurs afin de maximiser les opportunités d'investissement prometteuses. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Moussa Mabouli a déclaré que l'État poursuit ses efforts pour mettre en œuvre de nombreuses mesures qui créeraient un climat attractif pour les investissements locaux et étrangers dans divers secteurs afin de maximiser les opportunités d'investissement prometteuses. Monsieur Mabouli s'exprimait lors d'une rencontre avec Mohamed Hassan El Souidi, PDG d'Abu Dhabi Development Holding Company, en présence de la ministre du Plan et du Développement économique, El Saïd, et du PDG du Fonds souverain d'Égypte, Ayman Souleymane, pour discuter d'un certain nombre d'opportunités d'investissement. Le Premier ministre a évoqué un certain nombre de mesures prises par l'État dans le cadre des efforts visant à améliorer le climat d'investissement, à encourager et à attirer les investisseurs pour injecter de nouveaux investissements ou développer ceux existants, soulignant que parmi ces mesures figure l'obtention d'une licence dorée pour des projets ciblés par l'État dans un certain nombre de secteurs importants. De son côté, le PDG d'Abu Dhabi Development Holding Company a évoqué les réunions qui se sont tenues avec Madame Saïd ainsi qu'avec des responsables du Fonds souverain d'Égypte concernant l'examen de l'injection de nouveaux investissements dans un nombre de secteurs. Il a souligné que le volume des investissements en Égypte depuis 2014 avait atteint environ 4,3 milliards de dollars, ce qui reflète l'intérêt accordé pour le marché égyptien.
En fait, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, d'Arabie saoudite et d'Irak ont insisté sur la priorité de mettre fin à la crise syrienne qui est à l'origine d'assassinats et de destructions qui a des répercussions négatives au niveau régional et international. Le communiqué final de la réunion des ministres des Affaires étrangères des quatre pays arabes, tenu à Amman, revient sur les efforts déployés pour trouver une solution politique à la crise syrienne. Le texte indique que cette réunion est un prélude à d'autres réunions pour discuter des moyens visant à parvenir à une solution de la crise syrienne qui correspond à la résolution numéro 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU et qui traite tous les aspects de la crise, que ce soit humanitaire, politique ou quand même sécuritaire. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a affirmé que l'État était prêt à soutenir des sociétés afin de fabriquer des produits locaux finis ou quasi finis. Commentant l'intervention du président de l'usine ou de l'une des usines pour les équipements d'éclairage intelligent lors de la cérémonie marquant la fête du travail à la sucrerie d'Acharqiya, le président a noté que l'État était prêt à soutenir les sociétés pour faire passer la part des composants locaux à 60% en espérant augmenter ce taux à 90 ou à 100%. L'État œuvre actuellement pour réduire la consommation d'énergie de l'éclairage public, a-t-il fait savoir, félicitant le président de l'usine ou de cette usine pour la nouvelle usine. De son côté, le président de cette usine pour les équipements d'éclairage intelligent a promis que la part des composants locaux représenterait 90% en mai prochain, s'engageant à implanter l'industrie de lampes électroluminescentes, LED, ou LED, en Égypte, en Afrique, en Moyen-Orient. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Saïd Al-Qusair, a jugé important de tirer parti de l'expérience allemande dans le domaine des coopératives et la délivrance de la certification carbone et du dispositif de calcul et d'estimation de l'empreinte carbone des produits agricoles, qui sera une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. M. Crosset a tenu ses propos lors d'une réunion avec le directeur exécutif de la Chambre allemande de commerce au Caire, Jan Noether, et la délégation qui l'accompagne, axée sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties. M. Noether a jugé possible que la Chambre fournisse un soutien technique au côté égyptien dans les domaines proposés par le ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Hani Souelem, a affirmé que le Centre de formation régionale des ressources en eau à la Cité des 6 octobre avait tenu un stage de formation virtuelle sous les thèmes gestion de l'eau pour des fins non agricoles dans les zones rurales avec la participation de 24 stagiaires africains dont la candidature a été posée par le secrétariat du Conseil des ministres africains chargé de l'eau, AMCO. 50 stagiaires représentant les ministères égyptiens de l'eau, de l'environnement, de la population, de l'électricité prennent également part au stage, organisé en collaboration avec l'Université Turin en Italie pour une période de 5 semaines. Dans un communiqué publié mercredi, le ministre de l'Eau a noté que ce stage s'inscrivait dans le cadre des démarches entreprises par l'Égypte afin de soutenir les pays africains, consolider ou quand même de consolider les coopérations intra-africaines, d'améliorer les capacités des stagiaires africains en matière d'eau, surtout lors de la présidence par l'Égypte et des sessions 2023-2024 de l'AMCO. La valeur du déficit de la balance commerciale a diminué de 48,2% pour atteindre 2,10 milliards de dollars en février dernier par rapport à 4,6 milliards de dollars durant la même période en 2022, selon le bulletin mensuel publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Les exportations ont diminué de 22,2% pour enregistrer 3,44 milliards de dollars en février dernier, par rapport à 4,42 milliards de dollars en 2022, c'est ce qu'a indiqué CAPMAS. Les importations ont augmenté de 34,7% pour atteindre
5,54 milliards de dollars en février dernier, par rapport à 8,48 milliards de dollars en 2022, selon toujours CapMAS. La ministre du Plan de développement économique, Dr Hala Saïd, a indiqué que l'État égyptien a accordé une priorité pour le développement de la péninsule de Sinaï dans le cadre d'un programme de développement cohérent et intégré, soulignant à cet égard que cela s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de développement durable, la vision de l'Égypte à l'horizon 2030 et de la consolidation des principes de droits de l'homme pour jouir d'une vie décente sur une base équitable et durable. Madame Saïd s'est exprimée lors d'une réunion avec une délégation de la Fédération égyptienne des tribus arabes. Elle a félicité au cours de la réunion des habitants du Sinaï et toutes ses tribus à l'occasion de la fête nationale et a valorisé les sacrifices qu'ils ont consentis pendant de nombreuses années. Le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly y a suivi les efforts du Haut Comité médical et le de secours du Conseil des ministres au cours du mois d'avril à travers un rapport soumis par M. Hossein Melmassi, conseiller médical au Conseil des ministres et président du comité en question. M. Madbouly a loué le rôle du Haut Comité médical et la coopération fructueuse entre le comité et les institutions concernées. Le comité a été créé en 2016 dans le but de trancher des décisions de traitement offrées de l'État. Enfin, le Conseil national pour les femmes, CNF, a apprécié le rôle des femmes dans tous les lieux de travail. Dans un message de vœux à l'occasion de la fête du travail, le CNF a de même salué les efforts déployés par les femmes en construisant la nation et en assurant son progrès. La présidente du CNF, Maya Massoud, a publié sur sa page Facebook des extraits du discours prononcé par le président Abdel Fattah Sissi à l'occasion de la fête du travail. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi Hors Guerre. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.